Y'appelez pas, vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fin de saison approche, pour ma part elle sera le 30 juin et se conclura par Loop, même si le 2 juillet vous pourrez me retrouver également sur le Popcorn Festival. Vous savez, le festival où ils m'ont mis tout en petit là sur l'affiche, c'est moi le nom le plus petit. Ouais, je l'ai un petit peu mal pris, tu sais, quand tu vois ça, ton ego forcément il est piqué. Non, ça va, je rigole, c'était pour vanner. Mais c'est ça pour dire que vu que la fin de saison approche, j'ai eu envie d'en profiter pour vous faire une petite FAQ, d'accord? Une petite FAQ, foire aux questions, pour justement répondre à vos questions sur cette même saison. Peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo sur cette saison ou en mode un petit peu plus conclusion, analyse de ce que j'y ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de choses et certains vous l'avez remarqué, ça me fait très plaisir. Et donc je m'étais dit voilà, prendre vos questions, y répondre, c'est le principe d'une FAQ. J'ai pris que ce soit sur Twitter ou Insta. Pour le coup, vous avez été intéressant, hein. Il y a toujours quelques poubelles du style c'est quand tu vas aller en Turquie. J'irai jamais en Turquie, foutez-moi la paix. Alors j'irai pour profiter d'un pays qui a, je pense, beaucoup de charme à offrir, mais pas pour me refaire les vœux, là c'est bon frère. Oh, il y en a, vous me fatiguez. Oui, j'ai une calvasse. C'est bon. Tout ça pour dire FAQ du jour, celle de fin de saison, c'est parti. Et on commence gentiment. Ya Seke, Patrick Ademo, tu m'aimes bien? Bah bien sûr que non, je t'aime pas frère, t'es eu vraiment une merde. Yas, c'est impossible de l'aimer. Yas, il a tout de détestable. Genre, il est feignant, il pue, chez lui ça sent vraiment mauvais, il est pas sympa, pas intéressant, con comme ses pieds, bref. Alors de temps en temps, je prends le plaisir d'aller le voir chez lui, hein, toujours. Hein. Mais vraiment, c'est un gars, un jour, il a fait un stream où ils ont ouvert du surstroming. Surstroming, c'est une sorte de poisson pourri qui vient de Suède. Et vraiment, l'exploit qu'ils ont réussi à faire, c'est que chez Yas, ça sentait plus mauvais avant qu'il l'ait ouvert que après. Et ça, vraiment, je tiens à dire qu'il y a peu de personnes sur Terre qui peuvent se targuer d'un tel exploit. Tout ça pour dire, Yas, je te déteste, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Et toute personne qui, de près ou de loin, doit le voir ou alors être mêlée à une affaire avec lui, fuyez, parce que pour le coup, vraiment, ça ne peut que vous apporter du bien dans votre vie. Voilà pour ce... Il y a des mecs qui viennent de voir la FAQ, ils comprennent pas. Ils se disent, ouais, attends, il vient vraiment tirer Bastos sur Bastos. Plus sérieusement, c'est mon gars, Yas, je l'aime beaucoup. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Imran, penses-tu te faire recruter par des grands clubs après ton incroyable prestation au Groupama Stadium? Alors, voilà pourquoi est-ce que Yas, j'ai profité pour y tirer quelques Bastos. Après ce match des légendes qui est absolument exceptionnel et mon entrée qui était absolument calamiteuse, je vais voir monsieur Jacques Santini, le coach. Je rentre où, coach? Tu joues où? Gardien? Ah, bah en fait, on n'a pas encaissé de but pour l'instant avec Rémi Vercoute, donc tu vas plutôt aller sur le terrain. Ok, d'accord, je vais où? En attaque. Ah. Le reste, ça a été une performance absolument calamiteuse, mais assez marrante. Et en fait, il y a ce bâtard. Il en a fait une compilation. Regardez l'heure de sortie de la compilation. Le match a fini genre à 22h40. Lui, son tweet était genre à 22h50, 10 minutes plus tard. Il était sur live, il faisait ses clips avec le logiciel de montage, la musique, là, de la LDC à la flûte. Et frère, il était prêt à faire du buzz sur moi et ça a marché! T'es mal les stats qu'il y a! Eh, vraiment, je crois que la vidéo a fait 1 million de vues sur Twitter, un truc comme ça. Genre 60 000 likes, même des annonces de footballeurs professionnels ne font pas ces statistiques-là, c'est absolument ahurissant. Ouais, ouais, un petit peu ça, les meurdeurs de ça. Non, franchement, c'était une expérience absolument dingue. Bah, je pense que si un grand club devait me recruter, ce serait plus pour mon analyse, je sais pas, sur des contenus ou des avis, plutôt que pour un poussé de balle, hein, parce que footballistiquement parlant, c'est pas trop ça, quoi. Allez, maintenant, c'était les petites questions troll, histoire de commencer, on aime bien les FAQ comme ça, maintenant, on parle sérieux. J'ai fait certaines questions sur, avec des petites catégories, d'accord? Donc, je les ai un petit peu regroupées. Histoire que derrière je vous ai mis dans la description les time codes, d'accord. Et là on va attaquer bah les parties forcément sur cette année, un peu plus les émissions. Comment ça va sinon toi, ton année tu la juges comment niveau stream vidéo? Alors je tiens à dire que à l'heure actuelle niveau en termes d'année, donc ça fait 7 ans que je travaille comme ça dans la création de contenu, c'est ma plus grosse année ever. C'est ma plus grosse année. J'ai commencé cette année en reprenant un petit peu Zach en roue libre sur ma chaîne. J'ai fait à l'heure actuelle plus de 30 émissions de Zach en roue libre. J'ai commencé Loop en novembre dans mon local après avoir pris des semaines pour le décorer tout ça machin nanana. On a d'ailleurs même changé de plateau et maintenant on a fait plus de 25 émissions. J'ai été très régulier sur YouTube et sur Twitch. J'ai regardé un petit peu mes stats, mais je crois qu'on est à peu près à 4 heures de stream par jour en moyenne, en comptant bien entendu des fois des jours où je stream pas. Donc ça veut dire qu'en réalité, en jour pur de live, je dois être au-dessus de ça. Et franchement, c'est très prenant, très très cool. Ça m'a fait passer dans une autre dimension. C'est aussi une année où j'ai un peu évolué dans mon contenu. Ça fait maintenant plus de 6 mois que j'ai pas fait de Call of Duty. C'était important pour moi de faire cette transition pour pouvoir tenter autre chose. C'est aussi une année où je me suis un peu entouré. J'ai du staff. Maintenant, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi à l'édito, quelqu'un qui travaille à la technique, j'ai un monteur, quelqu'un à la com et tout. Donc maintenant, j'ai une belle petite équipe de 5-6 personnes autour de moi et ça se passe super bien. J'ai vraiment ce sentiment de progresser, de passer à un autre niveau et de pouvoir au fur et à mesure me consacrer à ce que je sais faire de mieux, à savoir faire des vidéos et animer des émissions. Parce que pour le reste, à l'époque, j'étais encore jusqu'en novembre à faire quasiment tout moi-même et c'était très compliqué par moment. Et je suis content
Je vois beaucoup de tweets ces derniers temps qui me disent des compliments très sympas, comme quoi mes vidéos du moment vous plaisent, ou comme quoi je suis sous-coté, ou des trucs comme ça. Même des fois mes pères, genre par exemple je vois Tréton ou Delicassa, ils disaient en stream, on m'a envoyé des clips. Bah ça fait super plaisir à lire. Après, est-ce que je suis sous-coté, coté, mal coté, est-ce que je veux plus, moins, je sais pas. Il y en a, tu vois, ils veulent toujours plus. Moi, alhamdoulilah, je me sens bien à mon niveau, tu vois. Limite, tu vois, en stream, en ce moment j'ai souvent 1000, 1500 viewers. Je sais pas si ce serait aussi cool de stream avec 4 ou 5 fois plus d'audience, tu vois. Alors qu'à l'actuel, les projets fonctionnent bien, je gagne ma vie, je peux payer les gens avec qui je travaille. Bon, a priori, ça va. Et franchement, c'était une année absolument pleine. Entre toutes les émissions, en plus Radio Street, Hors-Jeu, Popcorn et compagnie, je suis content, j'ai été de partout. C'est très prenant. Je peux vous le dire là, cette fin de saison, elle arrive au bon moment. Franchement, je vous cache pas que ces 2 mois de cassure vont faire beaucoup de bien. Ça va être 2 mois où je vais faire autre chose, mais je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'en ai bien besoin parce que même si mon métier est une chance et je suis vraiment privilégié par rapport à des gens qui ont des métiers beaucoup plus compliqués comme au chantier ou autre, mais malgré ça, maintenant que j'ai dit ça parce que c'est juste factuel, croyez-moi que l'enchaînement constant, les voyages, les allers-retours, les ci, les ça, c'est vraiment très prenant et la fatigue mentale commençait vraiment à s'accumuler. Je pense que ça pouvait se voir par moment, mais en vrai c'est surtout par moment parce qu'en réalité derrière j'arrive toujours à prendre un peu de temps pour moi, donc c'est cool et franchement je suis satisfait. Voilà, pour répondre dans le fond de la question, je suis très satisfait de cette saison. J'ai vraiment été partout, limite des fois un peu trop. C'est une fierté, une satisfaction pour moi de pouvoir regarder cette année et dire que j'ai pas triché. Voilà, j'ai pas triché. Vidéo, on a été là. Stream, on a été là. Émission, on a été là. OP, on a été là. On a été là partout. Ta meilleure expérience cette année, match des légendes, voyage, professionnalisation de ta chaîne. Alors, ma meilleure expérience cette année. Ça dépend. Il y a plusieurs meilleures expériences cette année, des choses de fou que j'ai vécues. Le match des légendes, déjà, tu l'as cité, c'était vraiment absolument exceptionnel. Popcorn avec Didier Drogba. Voilà, avoir été en plateau avec Didier Drogba, c'était vraiment quelque chose de fou. J'ai adoré, j'ai aussi adoré l'émission avec Pierre Ninet. Voilà, même si quand il est arrivé, les gens étaient encore là. Moi, franchement, j'ai passé une très très belle émission. Lancement de Loop, je cache pas que ça m'a fait super plaisir. On avait fait des belles émissions également avec Joël Sardoche qui avait fait des audiences énormes. Et même à l'heure actuelle, sans ces émissions-là, on a toujours des audiences très correctes. Mais ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Effectivement, le fait d'avoir fait une émission avec Sonny Anderson sur Zach en roue libre, dans mon local, ça a été fou. Le local, il a à peine un an. Et je m'étais pas dit qu'en moins d'un an, il y aurait peut-être une des plus grosses légendes du club que je supporte qui viendrait. Franchement, ouais, ça doit faire partie des plus grosses expériences. Et forcément, une autre expérience en termes de voyage que j'ai vraiment kiffé, c'est l'Islande. Alors, l'Islande, je vous l'ai fait vivre au travers de 3 vlogs, mais ça a été la folie. Voilà, j'ai amené Maï en Islande et j'ai absolument adoré ce voyage. C'était exceptionnel. Et si vous avez les moyens, parce que je vais pas mentir que ça coûte un prix, allez en Islande. C'est vraiment superbe. Louez une bagnole, faites le tour de l'île. Vous allez voir des paysages et avoir des expériences à faire une fois dans une vie. Voilà, c'est plutôt comme ça. En parlant d'expérience, est-ce qu'il y aura une autre période où tu iras vivre dans un autre pays comme tu avais fait avec l'Estonie? Alors, déjà, en parlant de l'Estonie, je suis très agréablement surpris de voir le nombre de gens qui sont allés en Estonie faire des fois leur Erasmus ou ne serait-ce qu'aller visiter suite à ma série de vlogs d'il y a 1 an et demi quand j'y étais avec ma femme. Et c'était une très très belle expérience. Et c'est tellement été une très belle expérience qu'en fait je vais la répéter. Alors j'en profite pour l'annoncer, j'en ai déjà parlé sur Twitch mais je vous l'annonce officiellement sur YouTube. Je vais dans 1 mois maintenant, parce qu'on nous sommes le 6 juin au moment où j'enregistre et je pars le 6 juillet, je vais en Corée. Je vais en Corée du Sud, j'ai pris que les billets aller et pas le billet de retour et j'y resterai peut-être un mois et demi et je vais vivre un trip similaire à l'Estonie. Alors forcément quand j'ai dit ça, il y a plein de mecs là direct, je suis sûr, hein, hey, petit tricheur. Tu t'es dit, oh, attends, lui aussi il y va, putain, mais tous les streamers ils y vont en ce moment, c'est quoi ce délire? Alors faut comprendre que si beaucoup de streamers et de créateurs de contenu ils sont allés au même moment, donc il y a eu Sardoche, il y a eu Kamel, il y en a eu d'autres, c'est aussi, enfin, dû au fait que la Corée a ouvert il y a pas si longtemps. Donc la Corée, je crois qu'elle a rouvert le 1er avril, sauf que moi, 1er avril, il y avait le Ramadan, donc impossible d'y aller, et sorti du 1er avril, j'ai mes émissions toutes les semaines, Zach en roue libre, Loop, Hors-Jeu, Radio Street et compagnie. Donc pour moi, c'était impossible de prendre du temps pour pouvoir y aller correctement. Et donc du coup, bah, j'ai pris la première période où j'ai pu y aller, et bah, on se retrouve début de l'été, et je vais faire la même chose que là-bas. Donc je vais faire des streams, je ramène mon setup là-bas, donc je ferai des streams perso, pas d'émissions, en tout cas beaucoup moins. J'ai quand même l'envie de faire un Zach en roue libre avec quelqu'un qui habite sur place, notamment pourquoi pas un Papsan, parce que je vais ramener de quoi le faire, parce que Papsan, j'adore ce qu'il fait, ses live IRL sont absolument exceptionnels. À cet égard, je compte, faut aussi faire des live IRL. Et d'ailleurs, pour ça, je compte pas aller qu'à Séoul. En fait, je vais commencer Séoul les 2 premières semaines, et ensuite, je suis chaud de bouger dans une autre ville, je sais pas, Busan, Gwangju, n'importe, histoire de pas avoir que cette expérience de capitale, tu vois. Donc vous allez avoir un arc Zach en Corée du Sud avec les vlogs, les lives qui vont avec, etc. Mais ce sera beaucoup plus tranquille, ce sera plus dans un mood vacances, un mood chill. Je ferai ça un petit peu quand je me sens, parce qu'encore une fois, le but cet été, c'est quand même de pouvoir me reposer, de couper à des moments pour pouvoir réattaquer une saison prochaine qui, elle, s'annonce également
grandiose, mais vous verrez, on est en train de travailler dessus. Parle-nous des bavures sur tes lives. Elle m'a fait rire cette question. Parce qu'en réalité, c'est vrai que de temps en temps, il se passe des bavures. Alors, les bavures, qu'est-ce que c'est? C'est les bavures policières façon Twitch, à savoir quand tu bannis quelqu'un ou quand quelqu'un se fait bannir par tes modos pour des messages qui sont pas répréhensibles. En fait, quand t'es streamer, tu vois, de temps en temps, quand t'es la tête dans le guidon et que t'es en train de live ou des fois d'argumenter ou de parler de trucs, et bah, de temps en temps, il y a des mecs dans le chat qui peuvent être un petit peu chiants, ou en tout cas que tu peux percevoir comme un peu chiant et que tu bannis sur le moment. Puis quand tu revois le truc à froid, tu te dis, ah, j'étais quand même un petit peu une merde, tu vois. Et c'est vrai que ça a pu m'arriver. Des fois en live, franchement, j'avoue, j'ai eu des attitudes pas toujours bien avec des gens avec qui on discutait, et des fois ils n'avaient rien à se reprocher. Et à cet égard, parle-nous des bavures. Bah, on a essayé de travailler sur nous, hein, pour un petit peu calmer ça. Et je considère que c'est moins qu'à l'époque. Mais pour le reste, en fait, bah pardon. Voilà, je vous livre mes excuses parce que j'avoue que à des moments, tu sais, quand t'es. Alors, vous avez sans doute jamais streamé, donc vous connaissez pas ce que ça fait. Mais quand t'es en train de live, de discuter, de machin, et qu'il y a des dizaines de messages à la minute, et que tout ça machin tata, et que des fois tu commences à répondre et à partir dans une sorte. C'est d'échange bizarre. Toi tu réponds à l'oral mais le mec te répond à l'écrit, donc du coup en fait le gars tu peux pas vraiment capter comment il te parle, tout ça machin. Bah à des moments ça peut être un petit peu, tu vois, chiant et tu peux trigger vite et c'est nul. Donc ça va, il y en a moins qu'avant les bavures, même si ça arrive toujours. Et auquel cas si vous regardez cette vidéo que vous en avez subi une un jour, encore une fois, comme on dit, mea culpa. Alors là, petit passage un peu Zach en roue libre, d'accord? Vous avez eu beaucoup de questions sur cette saison qui était absolument exceptionnelle. Plus de 30 émissions, 2 en plus avec Bouscapé, et en hors série, j'ai reçu des rappeurs, j'ai reçu un sportif, j'ai reçu des streamers, des youtubeurs, c'était exceptionnel. Et donc, arrive la question, est-ce qu'on aura à droit à plus de Zach en roue libre, etc., comme celui de Pisky, donc Niski? Alors, tout à fait, oui, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler l'année prochaine. Alors, cette année, j'ai eu un gros défi, ça a été de tester, de faire un Zach en roue libre, mais en dehors d'un studio. Pas dans mon local ou pas chez Webedia comme je fais d'habitude, mais plutôt d'essayer de le produire à l'extérieur et le produire en live sans qu'il y ait de soucis. On a réussi à faire ça avec mon équipe et avec Alex, notamment dédicace à lui. On est allé à Berlin et on a réussi à le faire. Alors pour aller à Berlin, au début avec Webedia, on voulait regarder des solutions en mode est-ce que on loue du matériel, des machins et tout. On s'est dit, ouais, louer du matériel, ça peut être chiant, ça peut bugger, on n'est pas habitué, tout ça. Donc en fait, j'ai ramené mon PC du local, mon PC de stream, celui qui sert par exemple à la régie de mes émissions, notamment Loop, et j'ai ramené toutes mes caméras et mes trépieds. En gros, j'ai ramené tout mon stuff, la table de son, tout ça, tout ce que, micro, tout ce que tu veux. Et on a réussi à produire ça. Comme si c'était fait à la maison. La seule chose dont on a eu besoin, et c'est ce que Niski nous a fourni via une agence, ça a été des tables, un câble Ethernet et 2 écrans, tu vois. Et on a eu tout ça, on a pu faire l'émission sans problème. Et donc en fait, je me suis rendu compte avec tout ça, parce que c'est là où j'essaye de partir, je me suis rendu compte que produire à l'extérieur, c'est pas si compliqué. Comme je t'ai dit, les besoins sont légers. Un câble Ethernet, une lumière, et 2 tables, quoi. Et un décor, bien entendu. Mais voilà, c'est pas super difficile à obtenir ça. Donc ouais, pour un petit peu changer, pour un petit peu ramener l'émission à un autre niveau, pour peut-être tenter des choses, ce sera quelque chose que je vais faire de plus en plus, faire des accords libres à l'extérieur, que ce soit dehors ou alors des fois chez l'invité. En tout cas, c'est une piste d'amélioration pour l'an prochain. Quelle est l'interview que t'as préféré faire, la plus enrichissante selon toi? Je vais être honnête avec vous, j'ai fait 120 émissions maintenant en 5 ans, donc c'est un peu compliqué, tu vois, de t'en sortir une. Je peux t'en sortir plusieurs, et à la rigueur, on peut parler de cette saison. Alors sur cette saison, sur les 30, une que j'ai vraiment adoré, ça a été celle avec Amine. J'ai vraiment beaucoup aimé faire celle avec Amine parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il est venu pour parler, pour s'exprimer. De même pour celle de JDG, j'ai adoré. Celle où ça a été le plus agréable à écouter, alors je m'attendais pas du tout à ça parce que je le connaissais pas notamment, bah Gluttony, tout récent. En fait, même si vous vous intéressez pas à Smash, Gluttony, c'est 2 heures que vous allez boire comme du petit lait parce que le frère s'exprimait trop bien, c'était trop agréable à écouter. Un mec avec un bon débit de parole, un bon vocabulaire, qui bégaye pas, qui te raconte bien les choses. Franchement, c'était super agréable. Et pour le reste, bah écoutez, franchement les gars, c'est rare. C'est rare que j'ai des émissions que j'ai pas trop aimé. Amine, c'était de la frappe. J'ai pu avoir Kenny S, j'ai pu avoir Shoachin, Sky Rose, Sky j'ai kiffé. Monsieur le V12. Franchement, Karim a été particulière parce que c'est un ancien, c'est quelqu'un qui voilà a une carrière très longue avec des hauts et des bas. J'ai vraiment senti que lui aussi il était venu pour poser un peu son cœur et ça m'a fait plaisir. Parce que Zach en roue, c'est aussi une plateforme comme ça. J'ai envie que ce soit l'occasion pour la personne de pouvoir se livrer et c'est ce qu'elle a fait, enfin c'est ce qu'il a fait et ça me fait super plaisir. Donc ouais, celle avec Karim a été vraiment particulière et nécessairement, alors là c'est pas par ego mais juste parce que j'ai vécu moi-même la chose, mais mon émission aussi à moi, donc la 100e où j'ai pu m'exprimer moi-même, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc ouais, c'était cool aussi. As-tu déjà dû payer pour qu'un invité vienne? Jamais. Le maximum qu'on prend en charge, c'est les frais. Donc ça va être le train, l'hôtel, des choses comme ça, mais jamais j'ai payé pour avoir quelqu'un. Alors pour être tout à fait honnête, ces derniers temps, je suis sur un petit projet pour quelque chose sur vis-à-vis de Zach en roue libre, et notamment vis-à-vis d'un certain invité. Et pour la première fois, on m'a parlé de budget, d'accord? Mais autant vous dire que pour le coup, si ça se fait, je l'envoie ce budget.
Je vous cache pas que je l'envoie avec grand plaisir. Parce que ce serait de la folie. Mais encore une fois, là, on est dans l'hypothétique. On essaye des choses. Mais ouais, non, à l'heure actuelle, non. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que même à l'époque de Radio Sexe, il y avait des mecs qui disaient que on payait, ou alors qu'à l'inverse, les mecs payaient pour venir sur l'émission. Notamment, je crois, à l'époque de Joker, c'était ouais, lui, il payait pour. Ouais, non, pas du tout. C'était des rumeurs à chier qui venaient de je sais pas où. Mais à l'heure actuelle, non, je crois pas. Et je crois qu'il y a que les réguliers qui se font payer. Et quand je parle de réguliers, parce que j'avais vu notamment cette question passer, une question que je me suis toujours posée, est-ce que Domingo vous paye pour être chroniqueur sur Popcorn? Oui, tout à fait. On est payé pour être chroniqueur sur Popcorn. C'est à peu près 150€ l'émission. Je crois que c'est un petit peu plus si t'as fait une chronique ou un truc comme ça. Même moi, quand je surloupe à ma petite échelle mes chroniqueurs, je les paye aussi. À peu près 50€ pour l'émission. C'est moins bien, mais bon. On a moins de budget aussi, mais je t'ai quand même à le faire pour essayer d'être clean. Donc oui, on le sait tout à fait. T'es payé pas qu'en visibilité, en réalité. Ils essayent quand même de faire en sorte que, voilà, tu viens, c'est cool, tu prends un petit billet quand même, et ça permet à tout le monde de manger un petit peu, tout ça. Et en plus, et c'est rare, hein, je peux vous le dire, même sur Popcorn ou sur d'autres émissions comme ça, s'il y a une OP sur l'émission en général, ils te font aussi croquer sur celle-ci. Voilà, c'est plaisant. Il y a des gens qui sont droits, et croyez-moi, c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu as prévu de faire une émission à toi centrée sur le foot ou rester dans hors-jeu? Alors, si cette année m'a bien appris quelque chose, les gars, c'est que tenir une émission, c'est compliqué. À l'heure actuelle, dans mes semaines, j'ai Radio Street. J'ai Zach en roue libre, j'ai Loop, j'ai Popcorn de temps en temps, à peu près une fois par mois ou toutes les trois semaines, et j'ai du coup hors-jeu. Mais l'avantage de hors-jeu, c'est que moi, je viens en tant que chroniqueur, je viens pas en tant que mec qui doit préparer l'émission, je fais pas l'édito, j'ai pas à me casser la tête, rien machin. Et surtout, même si hors-jeu a des défauts, il peut y en avoir quand même un petit peu partout, moi j'adore hors-jeu. Moi j'aime beaucoup cette émission, j'adore la faire avec Bruce Granek, j'adore Braque, j'adore toute l'équipe, j'aime la commu qui nous suit, et même si c'est pas toujours parfait, même si des fois les mecs peuvent se plaindre, nanana, des fois on se coupe la parole, ou on peut avoir des petites prises de bec et tout. Mais c'est normal, c'est la passion du foot qui s'exprime, il n'y a rien de méchant en réalité. Moi je kiffe, et avoir une émission supplémentaire à moi-même qui serait une charge de travail en plus, non, alors déjà en plus c'est ça, grosse charge de travail supplémentaire, en plus je kiffe hors jeu, donc j'ai pas réellement de raison de quitter. Alors en plus on est bien payé pour hors jeu. Bon, en dehors de la vanne évidente, non, c'est pas prévu du tout à ce que... Non, hors-jeu, c'est bien. Même pour être tout à fait honnête, et je pense que c'est peut-être l'opinion de certains, je trouve qu'il y a déjà trop d'émissions football. Si j'en crée une, je pense que j'aurais de quoi ramener des choses en plus, mais non, c'est pas du tout d'actualité pour l'instant. Peut-être un jour. Tu te réabonnes en BG l'année prochaine? Si oui, penses-tu t'investir plus un jour dans le groupe où cela ne t'intéresse pas? Alors, bien sûr. Moi, ça fait 4-5 ans que je suis abonné à Lyon, voilà, dans les groupes de sup et tout, et ça se passe très bien. Je vais voir mes matchs, voilà. On donne de la voix pour notre club de cœur, ça fait plaisir. Malheureusement, au-delà de ça et de faire des déplacements, c'est compliqué pour moi de m'investir plus dans la mesure où, le temps. Voilà, le temps. Et en réalité, aller au stade et chanter plus reprendre ton abonnement chaque année, je trouve que c'est déjà une démarche qui est suffisante. Il y en a qui veulent mener ça encore à un autre niveau, mais ça c'est quand ton club prend vraiment une très grosse partie de ta vie et que t'es prêt à investir encore plus, ce qui est respectable. Mais moi j'en suis pas encore là. Peut-être que je le serai sans doute jamais, mais mon niveau de passion qui, tout en étant très élevé, ne va pas à ce point, tu vois. Genre dans les journées, avec la constance des voyages que j'ai à faire, le fait de vivre avec ma femme, le fait de faire tout ce que je fais, ça rend rien que le fait de déjà pouvoir aller voir les matchs, c'est déjà pas mal. Donc on va se maintenir là et on ira chanter qu'on finisse 8e ou 3e peut-être, sait-on jamais. Serais-tu intéressé par un projet de tour des stades en France, voire aussi Europe, pour mêler ta passion du football et de voyages découverts des villes de France? Merci pour tout ce que tu fais. Merci le frou loulou, toi tu me suis tout le temps, je le sais, ça me fait super plaisir. Ce serait un projet qui pourrait me chauffer. J'ai un ami à moi, quand il voyage très souvent, il met ça avec un match de foot en réalité. Donc par exemple, quand il va voyager, il va regarder les matchs de foot des environs et il va aller voir, et ça va faire des matchs de foot des fois en Croatie, en Slovaquie, en République Tchèque, en Pologne, des trucs comme ça, et ça donne des trucs très cool. Et moi, pouvoir faire des vlogs qui cumulent voyage et foot, ce serait vraiment quelque chose qui ferait kiffer. Peut-être que c'est quelque chose que je testerais, mais pas de grand projet comme ça. Avant le Covid, j'avais une vidéo qui était prévue avec Joël, c'était le fait de faire tous les stades de France en 24 heures. Oui, donc en fait on avait un itinéraire prévu en commun et ensuite on se séparait un peu pour chacun en réalité aller devant les stades de France, prendre une photo de Ligue 1 du coup, prendre une photo et après derrière la poster sur Insta, tout ça, et en faire une grande vidéo comme un youtubeur anglais avait fait pour la première ligue. Donc peut-être qu'un jour on réactivera ce projet, mais à l'heure actuelle c'est pas le cas. C'est pas d'actu. Franchement, pour être honnête, j'ai déjà mon format Les Villes de France que j'aime beaucoup. Le 4e épisode arrive en plus, il sera à Avignon avec Ponce, voilà, ça sera très très bien, il arrive dans ce mois-ci. Mais au-delà de ça, non. Je trouve que les vlogs voyages de temps en temps, en plus les tests ici et là de concepts, ça suffit déjà amplement. Quelles sont tes ambitions pour la Zach Nanny Prod à la rentrée? Et merci pour le conseil de voyage à Budapest. On a été avec ma meuf en mai, c'était génial. Merci, monsieur Nanny. Grand plaisir. Budapest est une ville absolument exceptionnelle. Alors, je ne retire aucun mérite à avoir conseillé une aussi belle ville. D'ailleurs, petit débat parallèle, j'ai un concours sur Twitter pour gagner un voyage. C'est avec les frérots de Broken Abroad. C'est des mecs que je connais et qui font vraiment des trucs très très cool, qui font des offres très intéressantes de voyage à bas prix et un petit voyage d'une valeur de 500€. Donc voilà, le lien est dans la description si vous voulez participer. Tiens, je me permets en plus, je viens de me rappeler, donc.
on l'envoie. Alors, quelles sont les ambitions pour Isaac Laniprod? Alors, c'est simple, on a plusieurs projets. Le but, ça va être de pouvoir maintenir le niveau des choses qu'on a déjà mis en place, donc comme par exemple Zach en roue libre, Loop notamment, et la constance des vidéos YouTube, essayer de plus en plus de choses, d'accord, de gros projets et tout, parce que en réalité, je vais être honnête avec vous, je suis très content de ce que je fais sur YouTube ces derniers temps. De temps en temps, il y a du react, de temps en temps, je raconte des histoires, de temps en temps, je fais des voyages, de temps en temps, j'ai des concepts comme les villes de France, mais c'est vrai que sur des périodes, il y a des choses un peu plus faciles à faire, un peu plus fast food, je vais pas mentir, par exemple, les threads Twitter. Moi, j'adore les faire, mais j'essaye de pas trop en abuser et de pas suriner ça, même si ça fait beaucoup de vues, parce que il y a un côté facilité trop simple en fait qui me dérange. Moi, j'ai envie de pouvoir à des moments tester autre chose, et ça va être aussi un petit peu le cas. Zach en roue libre, on va essayer de passer ça à un autre niveau. Et pour ça, il y a des gros projets. J'adorerais pouvoir vous en dire plus, mais tout ceci sera à la rentrée. Et Loop, j'aimerais bien que ça reste constant et parce que ça a des bonnes audiences. Et à l'heure actuelle, on a repensé un petit peu la stratégie de Loop. Et en fait, au début de Loop, on a invité beaucoup de gros streamers. On en a eu beaucoup. Il y a eu Sardoche qui est venu. On a eu des Mehdi Maizy. On a eu bon, même si Mehdi Maizy n'est pas un streamer en tant que tel, c'est quand même un gros créateur de contenu. On a eu des Willou. On a eu Bagheera Jones, Tonton, tu vois. On a eu plein de mecs comme ça. Et en fait, ça s'est souvent bien passé. Mais inviter des gros streamers, c'est très compliqué. Parce que les gros streamers, les gars, très souvent, ça répond pas ou à moitié, ça a des gros emplois du temps, ça peut dodge. Certains, quand tu les invites, ils sont plus, tu sais, dans une démarche, je te rends service plutôt que je viens participer à un truc. Du coup, bah, ils agissent d'une certaine manière qui est pas toujours super plaisante. Et donc, en fait, avec mon équipe, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est chiant, pourquoi est-ce qu'on continuerait d'essayer d'inviter comme ça des gros créateurs de contenu qui vont forcément ramener plus d'audience? Alors que sur Twitch, il y a des tonnes de mecs avec des audiences peut-être un peu moins grosses, tu vois, qui ont pas forcément 10 000 viewers, mais qui vont en avoir 1000, 2000, 3000, 6, 700, bref, vous avez capté, qui ramènent des commus et qu'on ne voit déjà de toute façon pas dans toutes les autres émissions. Parce qu'en réalité, si tu regardes les émissions Twitch, c'est très peu diversifié. Il y a très souvent un groupe de 15, 20, 30 streamers qui se relaient plus ou moins partout, à quelques exceptions près, bien entendu, d'accord? Et ben en fait, pour Loop, moi, maintenant, le but que j'ai, l'envie que j'ai, et ça se cumule du coup avec en plus un avantage sur l'organisation, c'est de pouvoir avoir, j'espère, des streamers un petit peu différents, qu'on voit pas déjà partout, qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire des plateaux, mais qui pourtant sont super pertinents, super sympas, et qui en plus, quand tu les invites, sont vraiment contents, et dont la communauté, quand tu les invites, elles sont là, enfin, ils sont là en mode putain, c'est cool, notre streamer, habituellement, on l'invite nulle part, et là, tiens, on l'invite sur un petit plateau et tout, bah tiens, c'est sympa, on va aller le soutenir, tu vois. Et bah, c'est aussi un petit peu l'idée, et c'est ce qu'on fait déjà ces dernières semaines, et ça se passe super bien, c'est trop bien. Par exemple, la semaine dernière, on a eu Crocodile et Crix, c'était avec Joël, c'était super. Pareil, il y a deux semaines, j'ai eu Zouave, tu vois, des trucs comme ça, et c'était vraiment trop cool. Donc, ça va un petit peu être la mentale qu'on va prendre pour la saison prochaine, et je pense que ça peut être aussi un moyen un petit peu de se différencier. Donc, voilà, Loop, maintenir ce cas et essayer de faire évoluer le truc, tout en ayant de temps en temps bien sûr des gros streamers. Zach en roue libre, mener ça à un autre niveau, mais c'est déjà un niveau très haut, mais vous inquiétez pas, la tête est déjà cool. YouTube, continuer le cap, tout en essayant de tenter de plus en plus de choses façon les villes de France. Ça, c'est vraiment un de mes projets. Et pour le reste, bah voilà, c'est déjà bien. Franchement, j'ai pas d'autres projets, parce que ceux-là, croyez-moi, ils prennent déjà beaucoup de temps. Ah, c'était une réponse très exhaustive. Là, je vous ai dit beaucoup de choses. Penses-tu que religion et stream peuvent aller de pair, c'est-à-dire pouvoir assumer ses obligations, ou du moins essayer ses obligations tout en travaillant dans ce domaine? Oui, tout à fait. C'est compliqué, parce que je vais pas mentir, que ce soit en termes d'horaire, si t'es un streamer très impliqué, tu peux rater des horaires de prière, par exemple, à cause d'un stream, mais en réalité, si tu t'organises, tu peux faire à peu près les tout ça en temps et en heure. La difficulté se situerait plutôt au niveau du milieu où tu évolues, surtout si t'as réussi, parce que ça va être un milieu particulier avec des personnes particulières, d'accord, où tu peux vite connaître un petit peu tous les vices, à savoir célébrité, argent, temps libre, tout ça machin, et ça peut virer, ça peut pour certaines personnes les faire virer un petit peu, tu vois, différemment. Donc je dirais que c'est ça la plus grosse difficulté, mais l'un dans l'autre, en termes religieux et de stream, je pense que oui, les deux peuvent aller de pair. Et que si réellement t'as la foi, tout ça machin dans ton cœur, je vois pas réellement de problème à titre perso. Où en est ton prochain de la marque de vêtements Love? Ah, alors là, ça, c'est un truc, ça, c'est les frérots qui ont suivi mes streams, parce que j'en avais parlé en stream. Alors, j'avais un projet l'année dernière de lancer une marque de vêtements qui devait s'appeler Love. Certains diront Lowy, mais en fait, c'est la prononciation allemande et ça veut dire lion en allemand. Et c'était avec quelqu'un que je connaissais qui était une sorte de créateur un peu graphiste, tout ça machin, qui avait déjà fait dans les vêtements. J'avais réussi à trouver un fournisseur très intéressant avec des prix pas ultra chers, d'accord, et qui permettait de pouvoir, du coup, balancer un drop. On avait même des visuels archi cool, je trouvais. Moi, j'avais vraiment bien kiffé les visuels. Et moi, mon but, c'était de vendre des trucs à bas prix. Parce que je trouve que les marques internet, très très vite, elles vont très vite t'envoyer des t-shirts à 45 euros et des hoodies à 70. Et moi, c'était pas du tout la mentale que je voulais. Moi, j'étais prêt à faire de la concession sur la marge et aussi peut-être à des moments prendre, par exemple, chez un fournisseur un petit peu moins cher, quitte à un tout petit peu concéder sur la qualité pour pouvoir proposer un produit moins cher plutôt que, tu vois, tous ces sans piternel, trucs très chers. Et donc, du coup, le
projet était bien parti. On avait les visuels, on avait la boîte qui était lancée, on avait tout. Et la personne avec qui je me suis allié a du jour au lendemain arrêté de me répondre. Alors, je crois que j'ai appris un peu plus tard qu'il a traversé une période un petit peu difficile dans sa vie. Mais donc, du coup, le projet est un petit peu enterré et de côté. Et donc, ne sera pas lancé. Ou en tout cas, pas maintenant. Alors, ça peut toujours m'intéresser de lancer un truc de vêtements. Pas pour faire le sempiternel la marque de youtubeur. C'était même pas une marque Zach Nani. Tu vois, je savais pas être un truc Zach Nani. On avait vraiment des trucs cool. Et je pense que vraiment, c'était quelque chose qui aurait pu être sympa. Maintenant, à l'heure actuelle, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai laissé un petit peu de côté et je me suis concentré sur autre chose et ça reviendra peut-être un jour, mais pas maintenant. Il faudrait du coup que j'évalue comment m'entourer, avec qui, qu'est-ce qu'il faut, parce que je sais que vraiment être dans le vêtement, entre l'idée que tu t'en fais et les difficultés qu'il y a, il y a toujours un écart assez gros, donc on réévaluera ça en temps et en heure, mais pour l'instant, comme tu as compris, c'est au point mort. Bon, et ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Très bonne FAQ, assez grosse. J'ai répondu à beaucoup de choses. J'espère que ça vous a donné une bonne opinion, un tour d'horizon assez complet de cette fin de saison. Si vous voulez, je ferai une vidéo conclusion de ma saison début juillet, d'accord, avec des statistiques, des trucs genre les statistiques Twitch, YouTube, les stratégies, les moments de difficulté, les bons moments. Je pense vraiment qu'il y a quoi faire, une vidéo un peu présentation très intéressante et qui peut vous faire kiffer. Vous me dites dans les commentaires si vous la voulez, cette vidéo. Si je vois qu'il y a un peu d'engouement ou quoi, je vous la pondrai avant d'aller en Corée ou alors en Corée et on en parlera à ce moment-là. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Bisous.